tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou les loulous. Coucou. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et les petits coupas? On espère que ça va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes. Alors qu'allons-nous faire aujourd'hui, Océane? Des cacahuètes. Des cacahuètes? C'est pas possible de faire des cacahuètes. Des M&M's. Oui, Quentin, il a raison, on va faire la recette des M&M's. Alors est-ce que vous êtes prêts les loulous pour donner la liste des ingrédients? Oui. Oui, alors pour faire des M&M's, qu'est-ce qu'il nous faudra? Du chocolat déjà. Alors, une tablette de chocolat au lait qu'on a cassé en petits morceaux. Des cacahuètes, on a pris deux paquets de cacahuètes. On a pris un tiers. Parce qu'il nous les faut, voilà. Comment il nous les faut, Océane? Un tiers. Un tiers, et comme il y en a beaucoup les cassés, bah, du coup, on a pris deux sachets de cacahuètes pour en faire 150 cacahuètes entières, voilà. Hein? Ouais. 10 blancs d'œufs. Ouais, et comment ça, qui a disparu? Du colorant alimentaire de quelle couleur? Bleu, rouge et jaune. Un petit pois. Ah. Et ensuite, pour finir, il nous faudra du colorant alimentaire. Non, de la farine. Non. Ah. Sucre glace. Du sucre glace. Alors, sucre glace, chocolat au lait. Cacahuètes, blanc d'œuf et chocolat. Et voilà, bah, du colorant alimentaire. Alors, tout va bien, on va vous mettre toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos en bas là, en bas, en bas. Donc voilà, cliquez sur le petit aussi. Oui, d'accord, j'ai ouvert cette. Et cliquez sur le petit aussi. Cliquez sur le petit, pourquoi? Pour voir d'autres recettes, pourquoi pas? Ah oui, cliquez sur le petit en haut à droite pour voir d'autres recettes. Alors, on y va les loulous? Oui! Oui, comme la recette du ballon qui a tout explosé. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Corentin, avec le chocolat? On a fait fondre au bain-marie. Et oui, d'abord, il faut faire fondre le chocolat au bain-marie. Et maintenant qu'il est fondu, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends une cacahuète, tu la mets dans le chocolat et qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Et vous l'enrobez de chocolat, c'est ça? Bim. Et voilà. Et après, on en fait quoi de cette cacahuète? On la mange? Non, on la mange pas. Ah, on la pose là-dessus. Et on fait ça avec toutes les cacahuètes alors? Oui. Ok, donc vous prenez une cacahuète délicatement, faut qu'elle reste entière. Enfin, on va éviter de les casser en deux parce qu'on s'est embêté à les trier entière. Donc voilà, donc on trempe dans le chocolat. Et hop, après on met... Ah, t'as pas la mienne. Patate. T'as perdu ta cacahuète. Oh là là, Susan, il l'a pris. Oh, ça ne l'a prise. Ah, non, c'est pour l'aider un petit peu. C'est pour l'aider un petit peu, ah ok. Mais attention le loot, le chocolat il va dans le plat, il va pas sur l'assiette. Allez. On va mettre tout ça sur un plat. Recouvert d'un papier sulfu pour pas que ça colle. Et puis après, on le mettra à reposer, à figer. Bah, je vous laisse continuer, les loulous. Bah, il y a du travail, il y en a 150. Hein. Bah. Je vous ai vu. Ah. Alors, vous avez terminé avant de manger tout le chocolat? Oui. Alors oui les amis, on a enlevé l'assiette qu'il y avait dessous parce qu'elle était un peu trop petite. Il faut bien séparer les cacahuètes en baie de chocolat pour pas qu'est-ce qu'on en crève. Voilà, donc Corentin et Océane, bah, ils ont terminé. Là ils sont en train de terminer le plat. Alors mangez pas tout les loulous quand même, hein, vous allez être malade hein, sinon. Pas tout, tout. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ces cacahuètes au chocolat? C'est pas encore des M&M's, qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va mettre du colorant alimentaire. Ben non, avant on va faire quoi? On va les mettre à refroidir. On les met à refroidir où? Frigo. Au frigo, on va mettre ça au frigo pendant à peu près une demi-heure. Et puis après on va les ressortir pour les colorer. Bon appétit les loulous. Bon appétit. Alors qui c'est qui met ça au frais? C'est vous ou c'est moi du coup? Toi. C'est moi. Je vois que vous êtes très occupés. Gros gourmand que vous êtes. Ça y est, Corentin nous a quittés. Il avait quelque chose d'autre à faire.
Donc voilà, donc il a commencé, il a pas voulu continuer la recette, j'ai voulu faire autre chose. Donc voilà, comme c'est Corentin et Océane qui décident, et bien on continue avec Océane et moi. Alors Océane, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut mettre le blanc d'œuf de l'encens. Le blanc d'œuf de l'encens? Alors oui, bah vas-y, alors je te regarde faire. Et puis il faut mélanger, mais délicatement. Délicatement. Allez, vas-y ma chérie. Car c'est fragile. Hop, bien au-dessus. Hop là, bla bla bla. Voilà. Et bah oui, on fait ça pendant que les cacahuètes avec le chocolat, c'est où? C'est dans le frigo. Ouais. Donc on fait ça maintenant parce qu'il faut que ça refroidisse. C'est bon ma chérie, tu peux le reposer à côté. Tu vas le faire tomber dedans, je le sens. Ah là 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 là, Océane. Eh ben non, elle n'a pas fait tomber dedans. Donc on remue? Oui. Allez, remue. Comme ça? Comme ça, ouais. Super. Super ma chérie. Alors, tu arrives, ma chérie? Non. C'est dur? Oui. Alors, maman, si c'est dur, ça veut dire que c'est terminé. Alors, fais voir. Hop. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça? Bon, voilà, il est parfait ton glaçage. Regardez, les amis, à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est une pâte très épaisse. Donc, ça, on va la séparer dans 5 petits bols différents parce qu'on va faire combien de couleurs différentes? 5. Bah 5. Allez, on sépare dans les bols et puis on va colorer tout ça. Ah, ça y est, t'as terminé? Oui. Alors les loulous, ça y est, on a réparti dans 5 bols différents. Comme on va faire 5 couleurs différentes, bah, c'est plus pratique. Alors voilà ce que ça donne, on a mis un tout petit peu dedans. Donc il y a à peu près 50 grammes par bol parce qu'il y avait environ 250 grammes de glaçage. Donc Océane, tu vas mettre les couleurs dedans? Oui. Alors tu commences par quelle couleur? Jaune. Alors pour le jaune, il faudra mettre, je sais pas, tu vas mettre 3 gouttes. 3 gouttes, hein. Attention. Dans le jaune. Voilà, dans le bol jaune. Alors vas-y, 3 gouttes, je pense que ça suffit. Alors les enfants, n'excédez pas 5 gouttes, je pense que ça fera trop liquide sinon. 2, 3. Voilà, super. Ensuite, quelle couleur on va faire? Du bleu. Du bleu? Alors pareil, on va mettre 3 gouttes de bleu. 2, il y a eu 2 là. Et 3, voilà. Ensuite, quelle couleur tu veux faire? Moi, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc le jaune pour le moment, il est comme ça, mais on va mélanger tout après. Donc du rouge. En fait, très attention, ça tâche. Alors le rouge, on va le mettre dans le rose, du coup. Donc je sais pas, tu en mets 3 aussi, je pense que c'est bon. Donc 1, 2, 3. Oula, il y en a 3. Et ensuite, alors, quelle couleur tu vas faire? Vert? Oui. Alors, pour faire du vert, il nous faut quelle couleur? Tu sais pas? Alors, bleu? Oui. Et jaune. Bravo, tu vois, tu sais, bravo. Un pouce bleu pour Océane, pouce bleu, parce qu'elle est trop forte. Alors, tu vas me mettre d'abord une goutte de bleu, une seule, hein. Tu fais attention, hein. Une seule goutte de bleu dans le vert. Non, le bol vert. Il est où le bol vert? Là. Alors une seule, hein. Stop. Voilà, une. Et maintenant on va essayer de mettre deux gouttes de jaune. On verra ce que ça donne après. Si ça fait trop foncé, on verra. C'est pas grave si ça fait trop foncé. Deux ou peut-être 3, je sais pas. 2, ouais c'est bon, ça paraît bon. 2. Et ensuite quelle couleur il nous manque à faire? Violet. Du violet. Bah vas-y, alors pour faire du violet, il faut quelle couleur? Ah ah, à ton avis. Jaune? Non. Rouge? Du rouge, oui. Et quelle couleur? Jaune, bleu. Du bleu, bravo. En premier rouge? Alors on va mettre du rouge si tu veux. Alors, en premier, on va mettre 2 gouttes de rouge. On va essayer comme ça. Alors les amis, hein, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc 2 gouttes de rouge, on va essayer 1 goutte de bleu et on verra quand on aura mélangé ce que ça donne. C'est pas grave ma chérie, la nappe va être de toutes les couleurs. Et voilà, hop, c'est bon. On va mélanger tout ça et on va voir ce que ça donne, d'accord? Oui. Alors ça y est, c'est tout coloré tout ça? Oui. Oui, alors on va montrer ce que c'est, à quoi ça ressemble. Le bleu en anglais, je dis one. Non, blue louloute. Alors voici le vert. Ensuite, le bleu? Oui.
Voilà le bleu. Ensuite, le violet. Alors, le violet qui est... Dites-nous dans les commentaires si c'est un joli violet ou pas. Mais on trouve qu'il ressemble vachement gris quand même. Hein. Non, on trouve qu'il est argenté. Argenté, ouais. Ensuite, quelle couleur? Rouge. Le rouge, ouais, rouge, rose. Voilà. Et ensuite, le jaune. Et le vert. Le vert, on a montré. Et voilà le jaune. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Louloute? Je vais prendre une cacahuète et mettre dedans. Hein. Donc comme on a fait 150 cacahuètes avec 5 couleurs différentes, donc on va en mettre 30 de chaque couleur. Donc vas-y, tu commences par le violet alors? Non, par le reste. Allez, bah, alors tout, on va les mettre une par une, on va les tourner, on va récupérer avec la fourchette, pareil. On va les entourer. Ça y est, Louloute? Oui. Non? Oui? Puis après, on va aller la chercher avec la fourchette et tu vas le poser à côté. Allez, je vais l'enrouler. Voilà, donc l'envelopper de tout le glaçage et après, tu vas mettre dans l'assiette de côté. Et après, on mettra tout ça au congélateur pendant une heure. Alors, Louloute, ça y est, t'as terminé? Oui. Alors, j'ai un peu d'océan, hein, effectivement. Arrête, c'est un peu long. Tu vas en goûter un, mais c'est pas encore prêt. Ah ben non, c'est pas encore prêt. Bon, tu peux goûter. Alors regardez alors ce que ça donne. Voilà, donc nous on a mis sur une grille pour enlever l'excédent. Donc maintenant on va faire quoi, Océane? On va faire quoi, Océane gourmande? C'est pas encore prêt parce que le glaçage n'a pas encore pris. Il faut le mettre au congélateur pendant une heure. On met au congélateur? Alors nous, vous conseille... enfin, nous, on va le mettre pendant une heure parce qu'on est des gros gourmands, mais c'est conseillé pendant toute une nuit. Mais bon, on est des gros gourmands, donc on va le mettre pendant une heure. Allez, tu vas le mettre au congèle? Non. Le premier, c'est là? Premier chien? Allez, on y va. Car il y a des races. Gourmande. Alors ça y est, Océane, c'est terminé? Oui. Alors tu t'es mise aux couleurs des M&M's? N'importe. Alors on a attendu une heure, on s'est sûr que l'idéal aurait été 24 heures au congélateur, mais Océane voulait absolument les goûter depuis toute la première. Regardez. Oh, t'es trop belle. T'es trop belle, comme les M&M's, c'est les couleurs des M&M's. Donc voilà ce que ça donne. Ah, c'est sûr que ça ne ressemble pas du tout au vrai. Hein. Alors on goûte, ma chérie? Alors, moi je vais goûter rose. Non? Tu veux pas goûter du coup? On voit à quoi ça ressemble. Ben, ils sont super bons. Ils sont super bons. Océane ne veut pas goûter parce qu'ils ne ressemblent pas au vrai. C'est pour ça. Ben, en fait, ils sont super bons. Tu as goûté, Corentin? Oui. Oui. Il y a Corentin derrière moi qui veut bien goûter. On en a un bleu. Et mon chéri. Mais que une barre rose. Une barre rose. Bien. Attention. Corentin. Ah, c'est trop bon. C'est très bon, il a dit. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu. Ça goûte vrai? Waouh! Alors, les amis, voilà, dites-nous si cette recette vous a plu. Dites-nous dans les commentaires. Non. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Dans Océane, je suis vite en train de manger. En fait, les M&M, ça appelle la coquine! Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous! Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait les gros. Bisous, bisous les amis, bisous bisous. Alors Océane n'est pas du tout convaincue. Hein.